les échalotes et l'ail dans du beurre. Ajoutez la carotte, le céleri, une pincée de sel. Faire suer 2 minutes. Disposez les pommes sur les légumes et faire suer 2 à 3 minutes. Versez délicatement le cidre. Parce que ça mousserait, ça déborderait. Donc il faut verser le cidre très délicatement. Ajoutez le poivre, le sel et cuire 20 minutes à couvert. Ébarbez les coquilles Saint-Jacques. Mais il faut surtout que la noix de Saint-Jacques reste bien attachée à la coquille. Ça, c'est très important. Les laver et les réserver. Mélangez le beurre avec les noix et assaisonnez. Posez les Saint-Jacques sur la plaque, les assaisonner et les couvrir de beurre de noix. Pressez les légumes et les pommes dans un chinois. Portez à ébullition, incorporez la crème et le beurre. Alors là, il faut toujours éviter de faire bouillir la sauce. Enfournez les Saint-Jacques 3 minutes en position grill. Récupérez le beurre de cuisson des Saint-Jacques et le mélangez avec la ciboulette. Assaisonnez. Nappez les Saint-Jacques du beurre de ciboulette et de la sauce chaude. Pour 2 personnes, 6 coquilles Saint-Jacques, une pomme Granny Smith, une pomme Rainette, 20 g de noix concassées, une branche de céleri, 2 gousses d'ail, une petite carotte, 3 échalotes, 130 g de beurre, 4 cl de crème liquide, une demi-botte de ciboulette, 1 litre de cidre brut, 3 grains de poivre noir, du gros sel, du sel fin et du poivre du moulin.